Shalom, partagez le direct s'il vous plaît. Soyez bénis, ça va être un direct spécial. Partagez. Ça va être un direct spécial. Alors, que Dieu vous bénisse, partagez le direct. Je vais vous parler ce soir avec mon cœur. Je vais vous parler ce soir avec mon âme. Je vais m'ouvrir pour vous parler parce que j'étais en prière. Le Saint-Esprit m'a recommandé de faire ce direct. Parce que si on ne s'ouvre pas, les gens ne peuvent pas aussi savoir, les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, je vais m'ouvrir ce soir, c'était vraiment pas prévu. Ce soir, je voulais pas faire de direct, mais le Seigneur me l'a mis à cœur. Donc, partagez le direct, mettez des cœurs dès que vous êtes connectés. Je suis en train de faire mes partages aussi. Je suis en train de faire mes passages. Je vais vous lire deux passages. Avant de parler. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous localise de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aussi un surnom qui est Atia Normal. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un homme descendu du ciel. Je suis un être humain, né, conçu d'une femme, 9 mois dans le ventre d'une femme, qui est né comme tout autre être humain. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, j'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas. Et jusqu'aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, je me bats. L'apôtre Paul disait, pauvre de moi, il dit ce que je veux faire. Je n'arrive pas à le faire, c'est ce que je ne veux pas faire. Que je fais, qui me délivrera? Ça veut dire qu'il y avait une chose qui tenait au cœur de Paul. Paul se sentait limité quelque part. Paul se demandait comment faire pour réussir quelque chose. En fait, Paul se trouvait faible dans une situation qui n'est pas expliquée ici. Et Paul disait, qui me délivrera? Tous ceux qui servent Dieu sont des êtres humains. Ils ont eu leur passé,
Ils ont leur présent et ils auront leur futur. Il n'y a pas de petit serviteur de Dieu. Il n'y a pas de petit serviteur de Dieu. Mais certains parmi les serviteurs de Dieu ont eu plus de grâce que d'autres. Ont eu peut-être plus d'ouverture que d'autres. Ont eu peut-être des personnes de foi pour les soutenir, pour les encourager, pour les relever. Certains même ont fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, jusqu'à ce qu'un jour, ils arrivent à se stabiliser. Certains aussi sont montés très haut. Un jour, ils sont tombés. D'autres n'ont pas pu se relever. D'autres sont tombés, se sont relevés pour être meilleurs. Parce que ce sont des êtres humains. L'erreur est humaine. De la manière qu'un fidèle, un chrétien peut tomber et peut chuter, peut avoir des problèmes, un homme de Dieu aussi peut avoir parce que c'est un être humain. Et le diable attaque plus les serviteurs de Dieu. Si vous vous mettez dans la peau d'un serviteur de Dieu, que vous vivez la vie d'un serviteur de Dieu, vous allez vous rendre compte que le diable attaque le serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile. Alors, Bishop Melchizedek, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire, Bishop, Bishop n'est rien d'autre que évêque. Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Je ne vais pas rendre mon témoignage parce que mon témoignage est déjà sur YouTube. Je vais toucher des points pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Je suis né à Yamoussoukro. Je suis un petit Baoulé qui a grandi à Doulabougou, c'est-à-dire que au milieu des petits musulmans, au milieu des petits Doula. J'étais chrétien, j'étais Baoulé et j'ai grandi au milieu des petits musulmans. Voilà. Jusqu'à même, j'ai été à la mosquée. Mon nom islamique m'avait été donné, c'était Ibrahim. C'est pourquoi souvent j'arrive à réciter la Fatiha, Bismillahir Rahmani, Rahim, Maliki Yomidin. J'ai côtoyé des islamistes et puis j'étais chrétien. J'ai grandi au milieu. Nous étions, mes amis d'enfance étaient musulmans et j'étais chrétien. Il est arrivé que je me suis beaucoup fait tabasser par mes amis. Pourquoi? Parce que deux fois quand ça se passe mal, oh toi tu es un kafri, nyamourodé, t'entends des mots qui sortent, tu es un mécréant. Et c'est pas deux fois, c'est deux personnes contre moi, une personne, ah bon, on a fait tout ça, après on se réconcilie, on est ensemble. Et nous savons que les gens de notre génération, nous savons que l'école n'était pas facile. À l'école aussi, quand ça va pas, on te chicote. Hein, là, donne la main, ceci, c'est pas comme maintenant, les enfants font le malin sur les profs et tout ça. Ça m'a donné donc un caractère et une carapace pour me protéger. L'enfant qui était gentil, l'enfant qui n'était qu'un petit enfant de cœur à l'église catholique, a commencé à devenir un brigand, un bandit, un louba. Ceux qui veulent écouter mon témoignage, c'est sur YouTube. Vous tapez témoignage du Bishop Melchizedek, vous allez voir le témoignage. Je ne vais pas le rendre aujourd'hui. C'est de là que le Seigneur m'a appelé. Je t'ai baptisé, confirmé, catholique, enfant de cœur. Mais j'étais devenu un louba. Parce que je cherchais à me protéger de beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a amené à autre chose. Excusez-moi. Donc, ce qui fait que c'est dans cet état de banditisme et de brigandage que le Seigneur a touché un homme de Dieu
de l'église IC, la WEC, qui était venu à Yamoussoukro pour ouvrir une église IC, j'ai été l'un de ses premiers convertis. Et c'est par nous que l'église IC est née à Yamoussoukro. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et l'appel avec cet homme. Et le Seigneur m'a dit, de la manière que tu te promenais dans le monde, enfin pas dans le monde, tu te promenais pour faire du mal aux gens, c'est de cette manière que tu vas te promener dans le monde pour faire du bien aux gens. Parce que je me promenais. Je me lève, je vais à Abidjan, je veux faire ce que je veux faire, je reviens, je vais à Boaké, je veux gâter le coin, je reviens, je vais à Boaflé, c'était ma vie. J'étais un louba, un bandit. Et le Seigneur est passé par ce temps. Et le Seigneur m'a dit, depuis que tu étais, c'est-à-dire que tu es né pour me servir. C'est après que ma maman m'a dit que quand j'étais, je suis né, elle m'a déposé sur l'autel à l'église catholique, parce qu'elle était catholique. Elle m'a déposé sur l'autel. Et puis elle a dit à Dieu, celui-là, ce n'est pas mon enfant, je te le donne. Elle m'a consacré à Dieu dès que j'étais bébé. Donc, malgré que j'étais bandit, j'ai des amis qui étaient morts. On les a tirés dessus. D'autres sont allés en prison, ils sont morts. D'autres ont eu des trucs. Moi, le Seigneur m'a protégé jusqu'à ce que je reçoive la conversion. Bref, ce n'est pas mon témoignage que je vais rendre. Mais quand je me suis converti, tout de suite, j'ai eu l'appel de Dieu. J'ai été formé à, je crois, ces jeunes-là, à l'église IC, je suis allé à l'école biblique. Après, j'ai refait encore l'école biblique avec l'église pentecôtiste unie internationale au Banco 2 à Yopougon. J'ai été celui qui a été le pionnier, celui qui a ouvert l'église pentecôtiste unie à Jacquesville. C'est moi qui ai commencé sous des cocotiers jusqu'à ce que le Seigneur me dise, quand l'église a pris, le Seigneur me dit, va faire ton ministère. Et j'ai commencé mon ministère à Yopougon, au nouveau quartier. Il y avait un quartier qui débutait, quartier millionnaire. Je faisais des programmes au Koweït, la salle du nouveau, du marché du nouveau quartier. Je faisais des programmes, beaucoup de programmes à Yopougon. J'étais basé à Yopougon. Jusqu'à Dieu faisait des choses extraordinaires. À ce moment, notre frère Kakou Séveron s'y vivait. Il était à Cocody. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu en ce moment. L'onction était vraiment dans le pays. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les portes de l'Europe. Mais, lorsque le Seigneur a ouvert mes portes, les portes de l'Europe, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la sorcellerie dans l'Église. Il y avait la méchanceté dans l'Église. Des hommes de Dieu, certains que j'appelais pères, certains que je considérais comme des aînés, des frères, ont été jaloux de moi pour ce que Dieu avait commencé à faire parce que mon nom commençait à sortir. Ça veut dire que mon nom sortait, même seulement il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet comme on le voit, mais ma réputation a commencé en France. Après Kakou Séveron, je fus l'un des premiers à mettre ses pieds en France. Toutes les églises françaises, les églises m'invitaient, des programmes, des choses. Quand je partais, c'était des dons, des offrandes. En Côte d'Ivoire, des gens m'ont offert des hectares, des gens m'ont offert des trucs, tout ça que j'ai livré, j'ai donné à l'œuvre de Dieu. Et j'étais ici. Je suis venu en Europe. En 99, j'étais venu plusieurs fois, mais je suis venu quand je suis venu en 99. Après qu'il y ait eu le coup d'État, j'avais pris mon billet même d'avion pour le 23 décembre. Je ne sais plus c'était quoi. Il y a eu le coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État, ils ont ouvert l'aéroport. C'est là qu'on a pu voyager. Puis quand je suis venu, le Seigneur m'a dit de rester un peu. Et derrière moi, les complots ont commencé. J'avais des enfants spirituels que j'avais établis. Il y a un qui a pris l'hectare qu'on m'a donné, les états qu'on a donné. Il s'est autoproclamé.
Il a changé même le nom du ministère. Il a demandé à tout le monde de le suivre. Donc, l'œuvre que j'avais bâtie a commencé. Les enfants ont commencé à partir. Non, non, ce n'est pas toi notre père. Non, ceci, nous, on ne veut pas te suivre. Nous, on n'a pas cette conviction. Et l'œuvre s'est dispersée. J'étais aussi avec une femme qui vraiment m'a fait souffrir. Je ne vais pas parler d'elle d'aujourd'hui parce que les choses, quand Dieu a guéri ton cœur, souvent, il ne faut plus en parler. Pendant 9 ans, j'ai souffert. J'ai souffert dans la chambre. Ce qu'on dit, femme dit qu'elle est fâchée. Son mari ne peut pas la toucher, là. J'ai connu. Elle se couche comme cadavre. Elle dit, si tu veux, il faut me tuer. J'ai connu. Ou bien, vous vous battez, on dirait que tu es en train de violer femme de quelqu'un. J'ai connu. Elle te garde rancune. J'ai connu. Elle prend ses affaires, va chez ses parents. Tu vas demander pardon, on insulte tes parents. Jusqu'à... Elle revient. J'ai connu. Il y a même des gens. Le pasteur Yoro m'a connu à moi. J'étais allé avec celle à moi. Le pasteur Yoro, parce que j'étais allé à moi, comme ça, avec mes bagages, je suis arrivé, j'ai loué une villa. J'ai commencé l'œuvre là-bas, ça a pris. Après, il y avait une église qui s'appelle la gloire du Seigneur. Le pasteur Yoro était dans cette église, c'est là qu'on s'est connu. Il y a eu des problèmes là-bas aussi. Je ne vais pas rendre tout mon témoignage, mais il y a des gens qui me connaissent dans le passé. Le pasteur Yoro, par exemple, il me connaît. Il y a beaucoup de gens, je ne vais pas citer leurs noms, parce que d'autres, ils ont changé. Peut-être qu'ils ne rendront pas de bons témoignages de moi, mais sur toutes les générations-là, on se connaît. Je peux citer des noms. Pasteur Kwame Félix, pasteur Yoro, je peux citer quelques enfants de Kakou Séverin qui étaient mes amis, comme Gadi Pascal. Il y avait d'autres. Il y a certains que je connaissais comme ça de loin. Jean-Marie Domoro, tout ça, eux, on ne se parlait pas. Comme dans Marcel, c'est en Europe ici, on s'est connu un peu, mais je le connaissais. En ce moment, il est lui aussi commencé à frapper fort à Cocody. Mais j'avais mon entourage. J'avais par exemple Sidno Yoboué qui était, on va dire, mon frère même. Parce que c'est lui, je partais chez lui. Deux fois, il s'est déplacé, il venait chez moi. Je partais le voir dans son bureau. Et on était comme ça des frères. On était, bon, c'est la vie, les choses changent. Et Kakou Séverin, je partais le rendre visite aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses, mais c'était le bon moment où on servait Dieu. Le bon moment. On avait les aînés comme Yao Bio qui était là. On avait celui qui avait l'église Pentecôte qui est à côté du siège, le Ghanéen qui est le siège de l'église Baptiste aujourd'hui. Il y avait quelques pasteurs de l'église Baptiste qui étaient sortis avec qui aussi. Il y avait le pasteur Ayetouali qui m'avait pris comme son... On m'a dit son Kakou Séverin qui me suivait partout. Il y avait beaucoup, je ne veux pas citer le nom de tout le monde. Il y avait pasteur Ayopol qui voulait que je sois même avec lui. Tabernacle Pentecôtiste à Kumasi. Il est venu plusieurs fois me rechercher pour ça. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il y avait pasteur Adebayo de Kumasi dans son église. Quand il y avait les séminaires, les Américains venaient, les Canadiens venaient, tout le temps on prophétisait sur moi, Dieu t'a appelé, c'était tous les mêmes prophéties, tu iras ceci, tu iras cela. Il y avait l'aîné, le frère Mian Léon, qui était l'un des aînés, qui était là aussi, je le rendais visite, on se connaissait. Il y a ce moment, Cassie d'Azito venait de commencer aussi à Azito, son camp de prière. Et voilà, Kakou Kassi d'Azito même était de ma promotion aussi, c'est pas. Donc, on a fait tout ça. Et quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les portes en Europe, le diable s'est déchaîné. Aujourd'hui, je n'en veux personne. La femme avec qui j'étais a été utilisée comme un instrument pour me détruire, malgré que pendant 9 ans, j'ai souffert déjà. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des qui se suicident, j'ai compris pourquoi. Parce que je marchais comme ça, les voitures klaxonnent, j'entends pas. Quand je jeûnais, j'étais mince comme ça, tellement que je priais. Et puis, quand je suis dans un programme où je suis ailleurs, je suis à l'aise. Mais quand il faut rentrer à la maison, c'est comme si le diable m'attendait à la maison. Jusqu'à ce qu'on fasse chambre à part. Il y a des pasteurs peut-être qui font chambre à part actuellement, qui n'ont pas dit à leurs fidèles, ça n'allait pas du tout. Mais je cachais ça aux yeux des gens. Parce que je ne voulais pas en parler.
Tellement l'onction était là, les fous guérissaient, les aveugles guérissaient, les miracles se produisaient. Tout le monde, quand tu fais un programme, l'onction de Dieu, j'ai fait des programmes partout à l'intérieur, jusqu'à Dabou, à Abidjan et à Gagnoua. Je me sillonnais à quelqu'un, ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas à la maison, je fais ça ma part. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ça ne va pas à la maison, j'ai fait ça ma part. Ma femme me fait ça, il y a eu ceci et cela. Donc, je gardais les choses pour moi. Mettez les cœurs et protégez le direct. Et celle-là, avec d'autres pasteurs, que je vais taire le nom aujourd'hui, on salit mon nom, détruit mon nom. Et les Blancs ici en France, ils les ont appelés. Et ils avaient gâté ma réputation, mon nom, tout. Et ils leur ont dit, ne le recevez plus. Or, les Blancs là, quand on va leur dire des choses, ils n'ont pas eu même des preuves et tout. Il n'y a pas un qui a été sage pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait même un pasteur que je vais taire le nom aujourd'hui, qui a viré le bain, que j'avais pris comme un père. C'est celui même où je dormais, c'est lui seulement que je connaissais en France ici. Quand je suis arrivé, les gens l'avaient appelé aussi pour ne pas me recevoir. En plein hiver, je suis arrivé à mes affaires comme ça. Il m'a reçu à la porte. Et il m'a dit, je ne peux pas te recevoir. J'ai dit, mais pourquoi papa? Il dit, j'ai appris des choses sur toi, on a dit ça. Il ne m'a pas fait asseoir pour me demander, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il ne m'a pas fait asseoir pour dire, mais les gens racontent, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Non, je ne veux pas te recevoir. Il dit, mais papa, je ne connais personne ici en France. Comment je fais? Elle dit, débrouille-toi, ou bien tu retournes au pays. En plein hiver, voilà où mon calvaire va commencer. Voilà où mon calvaire va commencer. Je n'avais plus la possibilité de retourner en Côte d'Ivoire. En France, ici, on m'avait fermé toutes les portes. Les églises qui devaient me recevoir pour prêcher et tout, tout le monde m'a refusé. Le pasteur, sur qui je comptais pour dormir chez lui, m'a jeté au dehors. Quand je vois quelqu'un qui veut me recevoir, je vais dormir chez lui. Je vous assure que j'ai été obligé même de dormir chez certaines femmes. Une femme qui a son studio comme ça. Et puis elle dit, ah, si tu veux, viens dormir à la maison. Donc je suis là, moi qui étais pur, moi qui étais saint, moi qui priais, Dieu faisait des miracles. La femme là, c'est un studio, je voyais sa nudité. Mais je vous assure qu'il y a des choses qui se sont passées, je vous le dis aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées et l'église m'a dégoûté. Quand on me dit chrétien, évangélique, pasteur, j'ai dit non. Si ceux-là ont pu me faire ça, c'étaient les païens qui me recevaient. Ici en France, j'ai beaucoup d'amis gitans. Les gitans, quand on dit gitans, les gens du voyage. J'ai eu beaucoup d'amis, les petits rebeux, les petits arabes, qui m'ont fait du bien, qui m'ont accepté. J'ai eu aussi des païens, mais des gens qui se lèvent. Il est païen, il ne croit pas en Jésus, il va en boîte, il fume, il boit. Et puis c'est lui qui me faisait du bien. C'est lui qui me prend, il dit viens dormir chez moi. C'est lui qui me donne à manger. Ceux que j'appelais chrétiens, mes frères, m'avaient fermé toutes les portes. Je ne leur ai rien fait de mal. Rien. Mais le diable s'est levé contre moi. Parce que mon nom commençait à prendre. Mon ministère commençait à prendre. Je commençais à être connu. Les portes s'ouvraient. L'onction travaillait. Mais le diable n'a pas pris les païens pour m'avoir. Il a pris mes propres frères, pasteurs, serviteurs de Dieu, pères spirituels, ceux que j'appelais mes frères. Ils ont chacun pris une machette. Et ils m'ont découpé en morceaux. Il
J'ai connu des choses que je ne veux pas raconter ici parce que ça fait mal au cœur. Je me rappelle, il y avait un Chinois, un vieux Chinois, qui était célibataire, qui était chez lui. Sa maison était sale, remplie de toits d'araignées. Les meubles étaient des vieux meubles, on dirait meubles des années 50. La cuisine même est sale. Il avait sa chambre. Et puis, il y avait une autre chambre. Il y avait un petit lit dedans. Et dans cette chambre-là, il me dit, si tu veux, tu peux dormir chez moi. Je dormais là-bas. Je faisais un effort pour balayer chez lui, pour entretenir chez lui. Je faisais deux fois à manger. Et puis, il venait. Et il était là. Et deux fois, il dit, viens, on sort. Il me fait sortir un peu, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Pasteur, je suis en direct, pardon. Je vais te rappeler, je suis en direct. Donc, je ne peux pas tout raconter. Mais pendant ce moment-là, l'amour de Dieu ne quittait pas mon cœur. Oh, je vais te rappeler, excusez-moi. Pendant ce temps, l'amour de Dieu ne quittait pas mon cœur. Je priais, mais pas dans une église. Je priais, je m'assois au dehors, je regarde le ciel et puis je prie. Je préférais aller m'asseoir dans une église catholique. C'est pourquoi je respecte beaucoup les catholiques. Je respecte dans mes moments de douleur, dans mes moments d'épreuve. Là où je pouvais me réfugier dans une église pour prier, pour parler à Dieu, c'était dans les églises catholiques. Je vais m'asseoir quand il n'y a personne, quand c'est calme, et puis je parle à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Pasteur, je suis en direct, je t'ai laissé un audio, je suis en train de faire un petit direct, excuse-moi, je ne devais pas faire, mais c'est un imprévu, je te rappelle. Donc, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, relève-moi. Seigneur, si tu me relèves, si vous êtes là, mettez des cœurs, je veux voir vos cœurs. Si tu me relèves, je te servirai. Si tu me relèves, je serai plus qu'avant. Je te donnerai ma vie, mon cœur, tout. Je n'avais plus confiance en l'homme, mais en Dieu, j'avais confiance. L'église évangélique m'avait dégoûté. J'ai dit, mais pourquoi qu'on appelle, on laisse des audios, des gens ne voient pas? Ou bien c'est le réseau qui fait ça? Mais ça, c'est pas bien. Donc, je vais même plus décocher. Et ce qui s'est passé, ça, le Seigneur m'écoutait, mais il ne me répondait pas. J'étais là, toujours. Alors, j'ai appris à travailler en France. J'ai commencé à faire tous les boulots que je pouvais faire. D'abord, avant les boulots, j'ai prié pour que Dieu me donne les papiers. En 2 ans, j'ai eu la nationalité. Ça a été un miracle. Mon premier boulot que j'ai fait ici en France, c'était videur de boîte. Après, j'ai commencé la sécurité, maître chien. J'avais un Doberman. Je commençais la sécurité. Je suivais aussi dans les magasins. Et sécurité dans le magasin, sécurité, je suivais des sites, je suivais des fêtes. Pendant des fêtes, la société m'envoyait surveiller avec mon Doberman. Et j'ai fait la sécurité, après ça ne me plaisait plus. J'ai commencé le boulot à l'intérim, ouvrier de bâtiment. Je partais des maçons, des ceci. J'ai travaillé aussi comme charpentier. J'ai travaillé comme charpentier, j'ai appris et je l'ai fait. Après, tu as à l'intérim, tous les petits sales boulots qu'on peut avoir, on te donne, je les ai faits.
Après, j'ai travaillé dans la société d'étanchéité pour décalper les tuiles sur les maisons pour empêcher que l'humidité rentre dans les maisons, le traitement d'humidité dans les maisons. J'ai fait ça. Après, j'ai commencé à faire l'enrobé, c'est-à-dire le goudron. J'ai fait les goudrons, comme on fait les goudrons sur la route, j'ai fait ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, bon, je vais faire la restauration, j'aime cuisiner. C'est en France, j'ai appris à cuisiner parce que je me débrouillais tout seul, je me faisais à manger. C'est pas comme au pays où on me faisait à manger. Donc, je vais apprendre la cuisine et puis ouvrir un restaurant. Et donc, je commençais à me former. J'ai passé un CAP de cuisine, cuisine traditionnelle. Je l'ai obtenu. J'ai travaillé un peu en cuisine. Je continuais comme ça. C'était sport, travail, sport, travail. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je n'ai plus personne. Ma mère est décédée. Je n'ai pas pu aller aux funérailles parce que j'avais pas 5 francs. Mon papa est décédé. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne. C'est toi seul que j'ai. Aide-moi. Et je priais, j'attendais le Seigneur qu'il agisse. C'est vers, je crois, 2010 ou peut-être avant, faut que je me rappelle vraiment de la date. J'étais là un jour, j'entends encore la voix du Seigneur. Et le Seigneur me dit, je t'ai laissé, je t'ai éprouvé, je t'ai fait souffrir pour connaître le cœur de l'homme. Je t'ai aussi fait souffrir pour t'empêcher de mourir. Parce que si tu restais dans l'état où tu étais, comme tu étais, tu serais déjà mort parce que tes ennemis étaient nombreux. Je t'ai mis à l'écart dans les épreuves. Mais je viens te relever. Maintenant, de la manière que David, avant d'avoir la royauté, c'était ceux qui le soutenaient, qui étaient avec lui, c'était des gens qu'on a rejetés. Les meilleurs amis de David, c'était des gens qu'on a rejetés, que la société n'en voulait plus. C'est eux qui ont été les proches de David, qui ont aidé David, qui ont été des hommes fidèles de David. Et tous ceux qu'on rejetera, tous ceux qui ne trouveront pas la paix ailleurs, tous ceux qu'on trahira dans les églises, tous ceux viendront vers toi. Si un pasteur est tombé dans le péché et qu'on l'a rejeté, tu pourras l'aider. Si un pasteur a chuté, un chrétien a chuté, c'est-à-dire que ceux qu'on rejette, ils se reconnaîtront en toi. Je t'ai laissé souffrir pour cela. Dieu m'a parlé, puis il me dit, relève-toi. Et il m'a montré, je suis passé par une servante de Dieu, il a créé un contact, et il m'a montré un père spirituel, je suis allé le voir, et cet homme-là m'a réconsacré. Quand il m'a réconsacré, je suis tombé, dès que l'huile est tombée sur ma tête, je suis tombé, j'ai été évanoui. J'ai vu le ciel, tout. Et ça faisait plus de 10 ans que j'ai pu prêcher, plus de 10 ans que je n'ai pas pris de micro, je n'ai pas prié pour un malade. J'étais avec ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui vivent dans la fornication, le péché. J'étais dans les boîtes de nuit, j'étais tout. J'étais avec les païens parce que les chrétiens ne voulaient plus de moi. Et donc, moi, je n'avais plus affaire à eux. Le Seigneur est venu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de dire à quelqu'un, oh, c'est une prostituée, c'est un ceci, c'est, je dis, laisse-le. C'est Dieu seul qui connaît le cœur des gens. Il y a des gens que tu vas voir là, il ne va pas à l'église. Il est mieux que celui qui va à l'église. Dieu regarde dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'amour. Ils sont méchants. Et j'ai connu ça dans les épreuves. Et donc, quand le pasteur m'a consacré, que je me suis relevé, il m'a donné le micro. Quand il m'a donné le micro, quand j'ai dit Alléluia, je commençais à ouvrir la bouche. Le peuple qui était là, ça criait, waouh, l'onction est descendue, et j'ai laissé le micro. Et je commençais à pleurer. Parce que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a vécu ce que moi j'ai vécu, le Seigneur fait descendre encore l'onction dès qu'il dit Alléluia. J'ai attrapé ma tête, je commençais à pleurer. Et mon père spirituel me disait, vas-y, continue. Il y a eu des guérisons, il y a eu des choses. Je me rappelle, c'était à Yamoussoukro. Ce jour-là, j'ai des amis, gros bras.
qui ont vécu l'enfance avec moi aujourd'hui sont devenus de gros bras. Ils travaillent et ils surveillent les autorités et tout ça. Et tous sont venus assister à cet événement-là. Les gens voient un groupe de loubas comme ça, le jour de ma consécration, les gens voient un groupe de loubas qui sont arrêtés et puis ils voient, ce n'est pas des chrétiens, des musulmans, mais puis ils regardent quelqu'un de consacré. Et quand je suis sorti de là, je suis rentré en France, il fallait que je recommence tout à zéro. Je n'avais plus rien, aucune église, aucune personne. J'étais rejeté. Il fallait que je me batte tout seul pour reprendre l'œuvre. J'ai commencé tout seul sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à truc. Il y a des gens même qui m'avaient trahi qui reviennent. Ah, et tiens, tu prêches encore? Vraiment, si toi tu prêches encore, c'est que Dieu est avec toi. Les gens ont commencé à me voir et d'autres sont revenus vers moi. Pendant ce temps, j'ai cru que c'était la même mentalité des années 90, au temps de Kakou, nous tous, qu'on était là. Or, l'église était gâtée. Et moi, je ne savais pas que l'église était gâtée. Je ne savais pas que les choses sont devenues autre chose. Donc, avec mon cœur d'avant, au lieu de faire attention, j'ai ouvert mon cœur. Certains m'ont invité pour abuser de moi. Quand j'ai repris, ils m'ont invité. J'ai payé mon billet d'avion. Je suis allé, j'ai payé mon hébergement. Je n'ai même pas demandé une offrande. J'ai prêché chez eux. Ils ont eu des offrandes. L'église a pris de l'ampleur. Certains frères n'ont pas pu me donner. Au contraire, d'autres ont gâté mon nom. Je suis parti. J'ai cru qu'on était bon comme avant. Mais ce n'était pas ça. C'était devenu la jeune dans le corps de Christ. Je ne savais pas. Des jeunes serviteurs de Dieu sont venus vers moi. Ah, Bishop, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur que tu sois mon père, tant. J'ai pris certains, plus d'une dizaine. J'ai prié pour eux. Je les ai revêtis. Je les ai achetés des instruments, des trucs pour les établir et tout. Or, ils venaient vers moi. Ils ont vu quelqu'un pour venir manger, partir. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Ils sont allés faire leur ministère. D'autres regrettent aujourd'hui. D'autres sont dans leur coin. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Et quand ils ont fait ça, j'ai dit, jusqu'à même, il y avait un faux pasteur. Le témoignage est encore sur mon YouTube. Un faux pasteur, quelqu'un qui s'est fait passer pour un pasteur au Togo. Jusqu'à je suis allé l'attraper pour le mettre à la justice, remettre à la justice du Togo. Qui m'a arnaqué des millions. Il m'a dit, il était en train de construire l'église. Or, l'argent que je prenais pour les aider là, je travaillais, c'était l'argent pour mes enfants. Je prenais, je dis c'est pour l'œuvre de Dieu. Je prends et puis il les envoie. Et il faisait ça. Je n'avais personne, aucune église pour m'aider, aucune autre. Et je faisais ça. Je me dis, mais comme je n'ai pas encore ouvert d'église en France, je vais soutenir l'église en Afrique. Et puis de là, on peut envoyer des missionnaires un peu. Mais si je vous dis le nombre de personnes qui ont abusé encore de moi quand je me suis relevé, église, pasteur, ceci, tout le monde, celui qui pouvait venir gratter. Il y a même des anciens de ma promotion que j'ai pris. Ils sont venus vers moi comme si c'était pour m'aider. Ils ont divisé, c'est-à-dire le peu que je faisais. Ils ont pris des contacts, ils ont fait des choses. J'ai dit, mais c'était dans les années 90, on n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était la méchanceté, le truc. Donc, je me suis encore ressaisi pour me mettre un peu à l'écart pour examiner les choses. Et ces mêmes personnes-là gâtaient mon nom. Il y a un jeune homme que j'ai pris, Ayam Sokro. J'ai construit une église, je les nourrissais, je lui achetais des vêtements, je lui envoyais des ordinateurs. Comme il est en Côte d'Ivoire, si des gens veulent m'envoyer des offrandes, je leur dis envoyez ça à mon pasteur pour qu'il se débrouille avec. Donc je le mettais en contact avec des gens. Et il gâtait mon nom chez les gens. Il y a quelqu'un de ma promotion qui est un pasteur aussi. Il a pris cette personne-là comme père spirituel en cachette. Et la personne lui donnait des mauvais conseils. Et c'est à la personne qui payait les dîmes des dîmes. Moi, je ne faisais que le nourrir, lui donner de l'argent, acheter ce qu'il faut, faire ce qu'il faut. Le jour que Dieu va ouvrir mon cœur, mes yeux du moins, que je vais voir les choses pour aller lui dire d'arrêter, il m'a manqué de respect. Je l'ai viré, j'ai fermé l'église.
À Boaké, j'ai fermé. Yamoussoukro, j'ai fermé. Abidjan, j'ai fermé. La dernière personne à Abidjan, j'avais loué une villa pour le mettre dedans. La dernière personne à Abidjan, il travaillait bien. Lui, je n'ai pas fait de tapage quand il est parti. Il travaillait bien, je l'appréciais beaucoup. Donc, du coup, je l'avais mis dans une villa. J'ai même prophétisé qu'il va se marier. La femme va quitter en Europe. La femme est venue. Je suis allé soutenir son mariage et tout faire. Après le mariage net, il dit que Dieu lui avait mis à cœur depuis telle année de faire son ministère. Il avait son nom, tout. J'ai dit, bon, ok, Dieu merci. Je n'ai pas discuté avec lui. Je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir. Je vous explique tout ça aujourd'hui à cause de quelque chose, parce que Dieu m'a dit de vous parler. Donc, je suis revenu. J'ai ouvert l'église ici. J'ai ouvert, je déménageais de là où j'étais. Je suis allé prendre une salle quelque part. Dieu m'a donné une très belle salle. J'ai commencé l'église. J'avais marqué même devant l'église ambassade des miracles. Je ne savais pas qu'il y avait une église même encore devant qui s'appelait comme ça. C'est après j'ai su. Et c'était dans une ville où il y avait les francs-maçons. Dans cette ville-là, j'ai vécu des combats spirituels. Jusqu'à un moment, on m'a mis sur le journal, on m'a mis sur un journal officiel, le pasteur mystérieux, tellement que je luttais. Il y avait le combat. J'ai perdu des enfants dans cette ville, dans le combat. Comme ils n'arrivaient pas à m'atteindre, ils ont pu atteindre des grossesses. J'ai perdu les enfants. Il y a eu des épreuves très, très, très pénibles. C'est dans cette période-là qu'il y a un pasteur de ma promotion qui a gâté mon nom sur les réseaux sociaux. Tout le monde se moquait de moi, m'attaquait. Et en même temps, Jésus-Christ TV, Georges Nama, parce que j'étais passé voir Mian Léon, j'ai offert une corne à Mian Léon. Mian Léon devait consacrer des gens. Et puis il a dit, oh, et tiens, je te consacre, je vais commencer par quoi, par toi. Et moi, je suis tellement simple, humble. Et puis l'onction, là, on ne rejette pas. Et Mian Léon disait ce jour-là même, toi, je n'ai pas besoin de te consacrer, tu n'es pas mon fils. Quand je te connaissais, tu guérissais les malades, tu chassais les démons, tu levais même les morts. Pourquoi? Mais c'est ton humilité qui fait que tu es devant moi. Il a versé huile sur ma tête. Et comme en ce moment, Mian Léon vivait des épreuves, quand je suis rentré, j'ai fait une publication. J'ai dit que Dieu bénisse le père Mian Léon. Je l'ai honoré en fait. Le gars de Jésus-Christ a vu ça et dit pourquoi j'ai appelé Mian Léon père. Donc il a pris ma photo, mes images, il a pris des trucs, il a pris la photo, mais il nous a mis des cornes sur la tête et puis il a dit sorcellerie à l'église. Donc il a fait de sorte que l'église, la belle petite église que j'avais commencée, s'est détruite, elle s'est gâtée. Les gens qui entendaient ça, parce que c'était des nouveaux convertis, tout le monde, c'était une petite ville. Tout s'est détruit. C'est là que le Seigneur m'a dit, va prendre une pause. Je suis venu prendre la pause. Après, je commençais à prier pour une femme en Martinique, puisque je n'avais plus d'église ici. La femme me dit, ah, papa, si tu pouvais venir ici, j'ai une boutique, madame va travailler dans la boutique, tu fais une œuvre ici et tout. J'ai dit, mais ça, c'est une bonne opportunité, je vais changer un peu de lieu. Donc, j'ai déménagé. On a pris un conteneur de 20 pieds ou bien, je ne sais pas comment on dit ça là, un grand conteneur du moins, je ne sais pas, c'est 40 ou 20. Tous nos affaires, voitures, tout ce qui est dans la maison, tout, déménagement complet, on allait en Martinique. Arrivé en Martinique, elle nous a bien logé au départ. J'ai prié. Il y avait un homme qui l'avait quitté. Elle a eu un enfant avec lui. Cet homme est revenu. C'était son souhait. Quand le monsieur est revenu, elle a commencé à nous persécuter parce que le monsieur ne voulait pas de nous. Et puis, il y avait d'autres pasteurs ivoiriens, comme il y avait un Congolais aussi qui la connaissait, qui lui mettait des choses dans la tête. Donc, la femme l'a changé un coup. Elle a dit de quitter sa maison. En Martinique, on ne connaissait personne. Je suis allé louer un petit appartement à Mont-Rouge, à Martinique. Je suis resté au moins un an, mais mon esprit n'était pas dans ce lieu. Donc du coup, on devait revenir. Mais pour revenir, puisqu'on n'avait pas vraiment les moyens, j'ai liquidé tout ce qu'on avait, voiture, tout. On est parti avec conteneur, on est venu avec un petit, je ne sais pas,
mettre cube dans un conteneur là. On a loué une petite truc là pour mettre dans un conteneur. J'avais mes bibles, quelques jouets des enfants, habits, rien, petit truc comme ça. On a tout perdu. Je vous parle aujourd'hui pour que vous compreniez quelque chose. J'espère que vous allez suivre ça jusqu'au bout. Et quand on est arrivé, d'abord c'est en Martinique que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour parler sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. À travers la mort d'un petit Essel Kona. Sinon avant, je ne mettais pas ma bouche dans les histoires du pays. On dit, il y a eu ça, politique, c'est rentré ici. Ce n'était pas mon problème, je n'étais pas dans cette... Je partais en Côte d'Ivoire quand je voulais, je partais, je revenais. Je ne m'occupais pas de ces choses-là. Quand le petit Essel Kona est mort, que j'ai vu l'injustice, j'ai parlé. Quand j'ai parlé, je me suis exposé. Je suis devenu un ennemi encore de certaines personnes, des étrangers qui sont posés en Côte d'Ivoire. Quand j'ai continué, j'ai parlé du président Gbagbo, j'ai parlé de Simon Gbagbo, j'ai parlé de Blé Goudé. Ça veut dire que maintenant, mon langage est rentré dans la politique. Donc, j'ai commencé à avoir d'autres sortes d'ennemis. Et quand on est revenu, je n'avais plus de maison. Je n'avais plus d'appartement, je n'avais plus de voiture. Je dormais dans le salon de ma belle-sœur. Et puis mes enfants dormaient dans... Oh. Mais je faisais des directs, les gens ne savaient pas que je dormais dans le salon. Au moment où Gbagbo était en prison, là, où je faisais beaucoup de directs, je faisais des directs pour la liberté de Gbagbo, je soufflais le chauffard. Je faisais des proclamations où je disais qu'il allait sortir jusqu'à ce qu'on dise qu'il va sortir. Après, ils ont fait appel. Pendant ce temps-là, je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais dit à quelqu'un où je suis là, je dors dans le salon. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Non. Mes épreuves étaient pour moi. C'est Dieu, je priais. Et j'étais là, je recevais les gens au téléphone, je priais pour eux. Je luttais pour ceux qui sont en prison. Je faisais des directs pour aider les gens, mais je n'expliquais pas mes problèmes à quelqu'un. Jusqu'à on est resté chez elle 2 ans. 2 ans. Resté chez quelqu'un qui avait tout, qui est venu dans le salon d'une autre personne. 2 ans. Et après, pendant ces 2 ans, on a eu un appartement. D'abord un appartement social. On est parti un peu dans l'appartement social. Après, le Seigneur m'a donné une BM. Après, j'ai eu la BM. Après, j'ai commencé à avoir des trucs au fur et à mesure. Jusqu'à tellement c'était dur, on partait au resto du cœur pour aller chercher la nourriture, banque alimentaire, pour chercher la nourriture. Noël, les gens sont en train de fêter Noël comme ça, donner des cadeaux à leurs enfants. Nous, c'est les cadeaux qu'ils ont placés au resto du cœur là, pour le nom de chaque enfant. On partait prendre pour envoyer à nos enfants. Notre enfant. Mais je cachais ma douleur, mes épreuves. Je priais pour les gens m'appelaient, Dieu travaillait, faisait tout, mais j'étais dans les épreuves. À bout de 2 ans, le Seigneur m'a donné un appartement. Aujourd'hui, si tu rentres chez moi, tu ne peux pas comprendre que c'est quelqu'un qui venait de tout perdre. Le Seigneur m'a tout redonné. Voiture là, ça fait au moins 2 ou 3 fois que je change de voiture. J'ai même des voitures qui sont en Afrique. J'ai chez moi, j'ai tout. Le Seigneur m'a tout redonné. Tout. Il m'a donné au-delà. Ce que j'ai perdu là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a donné. Et il a augmenté encore l'onction. Et il m'a donné encore plus de puissance. Je ne me plains pas. Je suis très content parce que Dieu m'a fait passer par ses épreuves pour faire de moi ce que je suis. Mais toutes les économies que j'avais, je mettais dans l'œuvre. Il y a même des gens, pendant que je priais, qui m'ont offert des terrains. Dans mes moments d'épreuve, là, je peux dire, ah, terrain là, je vais revendre pour prendre l'argent. J'offre ça à un pasteur. Pendant que j'étais là, que je faisais, il y a des gens qui croient que j'étais multimilliardaire. Ils viennent m'expliquer le problème. Je prends mon peu d'argent que je dois manger là. Je les envoyais. Je faisais ça.
Si je mens, Dieu m'est témoin. Si je mens, voilà, ce n'est pas une Bible, il y a deux Bibles devant moi. Voilà, ça c'est deux Bibles. Si je mens, Dieu m'est témoin. Mais je ne demandais rien à personne. Et j'ai remarqué que tous ceux qui m'invitaient, qui s'approchaient de moi, c'était pour prendre quelque chose. Ce n'était pas l'amour. Personne ne m'aimait. La seule personne qui m'a fait du bien, qui a été quelqu'un de bien, c'est Madame Kakou Séverin. Madame Kakou Séverin, et puis il y a un autre évangéliste qui s'appelle José Lao. Madame Kakou Séverin m'a vu un jour à l'aéroport. Et puis elle m'a dit, on a discuté ensemble. Elle dit, mais je voyage. Si tu veux, tu vas aller prêcher dans mon église. Elle m'a laissé prêcher dans son église à Paris pendant un mois. Ils m'ont logé, ils me prenaient son nom. Je partais prêcher. Pendant un mois, la femme m'a laissé prêcher. Ça m'a touché jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais dire merci à cette dame. Elle m'a montré son amour. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent cette femme. Mais elle a un cœur, Madame Kakou Séverin. Il était jeune évangéliste, maintenant il est prophète, prophète José Lao. Quand il a commencé son ministère, il m'a appelé, il a appris que j'étais à Paris un jour. Il dit, Bishop, pardon, tu es où? Je te cherche. Il a couru, il est allé me trouver où j'étais. Il m'a fait une offrande. Il m'a fait intervenir dans son église. Voilà des gens que je ne peux pas oublier. Il y a un autre qui s'appelle Cyril. Un fils qui s'appelle Cyril, à chaque fois que j'avais besoin de lui pour quelque chose, il était là, il m'a ouvert ses portes. Voilà les gens. Il y avait un pasteur congolais que j'avais beaucoup aidé. Quand il a commencé à voir la gloire, pasteur Christian, il m'a craché dessus. Et apparemment même la femme qui m'a fait du mal en Martinique, il disait que c'était sa fille spirituelle. Et peut-être que c'est à cause d'elle, comme elle m'a aidé, qu'il m'a fait du mal. Pourtant, je ne lui ai jamais rien fait. Donc, Dieu m'a commencé à tout me redonner. Donc, normalement, je devrais reprendre l'œuvre. Je devrais prendre une salle. Je devrais reprendre l'œuvre. Mais le Seigneur me disait, de la manière que tu as commencé à parler des problèmes politiques, de la manière que tu attaques les gens, que je t'ai mis dans ça là, arrête le programme. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce direct. Arrête le programme. Ne cherche même pas à dire que tu vas prendre une salle pour faire une église. Ne cherche pas à dire que tu vas faire programme. Arrête tous les programmes. Fais-toi oublier dans ce domaine. Reste chez toi à la maison. Prie en direct avec les gens. Je prendrai soin de toi. Mais arrête le programme. Parce que si tu prends une salle, si tu t'en vas te mettre quelque part pour dire que tu vas faire quelque chose, c'est là même tes ennemis vont te trouver, ils vont te faire du mal. C'est Dieu qui m'avait dit ça. Donc, il y a des gens qui sont là, où est ton église? Oh, les pasteurs de Facebook, oui, ceci, cela. Le Seigneur m'avait interdit de prendre une salle. Il m'avait interdit de faire un programme. Il dit d'attendre. Quand le moment va arriver, il va me dire. Même quand des pasteurs m'invitaient dans leur église, je leur disais que ce n'était pas possible. Je suis connu un peu partout. On m'envoie des invitations. Mais je disais non, je suis en prière. Et je vitais le programme. J'étais dans mon coin parce que Dieu m'a dit, reste dans ton coin. Quand je me retire pour aller jeûner quelque part, je ne dis pas où je suis. Je suis dans mon coin. Je faisais mes petites réceptions. Des fois, je me déplace, je vais chez des gens, chez des familles. Je prends un hôtel, des gens viennent me voir. Après, je dis... Le diable m'attaquait aussi. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et le Seigneur me disait, tu vas reprendre. Tout dernièrement, le Seigneur m'a dit, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Cette année-là, tu reprends les programmes. Cette année, tu reprends le ministère. Cette année, tu vas recommencer l'œuvre, mais d'une manière stable. Et cette fois-ci, c'est la bonne. On n'est jamais en retard avec le Seigneur. Il y a des gens qui m'ont invité en Suisse, en Allemagne, un peu partout. Je leur ai dit non, je suis en prière. Je n'ai pas bougé. Parce que j'ai écouté Dieu. Sinon, je serais peut-être mort quelque part.
on m'avait tendu un piège ou quoi, parce que j'avais des ennemis. Aujourd'hui, je ne parle pas de politique. Aujourd'hui, je ne mets pas ma bouche dans certaines choses. Aujourd'hui, je suis, quand je me lève, c'est la prière. Aujourd'hui, je reçois les gens. Ça veut dire, je suis revenu la personne qui était avant d'aller en Martinique. Je suis redevenu cette personne-là. Je suis revenu la personne qui, avant d'ouvrir sa bouche pour le petit SM qu'on a SL, on n'entendait jamais parler de moi dans les choses-là. Je suis redevenu cette personne. C'est la prière, l'œuvre de Dieu qui m'intéresse. Ouvrir mon camp de prière. Actuellement, je suis en train de lutter pour prendre des hectares pour un camp de prière. Il aura le social dedans. En même temps, il y a le camp de prière. On peut envoyer les fous, les malades, tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent se retirer aussi, aller jeûner, prier, peuvent aller dans ce coin. Je suis en train de faire ça. En même temps, j'ai un projet aussi pour la France parce que je vais reprendre mes activités très bientôt. Je vais reprendre. Le Seigneur m'a dit, c'est le moment. Cet été 2024, je reprends. Le Seigneur me dit, les portes sont ouvertes. Aucun ennemi ne peut s'approcher de moi. Quelqu'un même qui va dire, lui là, je vais aller le voir, il va se faire foudroyer. Les portes sont ouvertes pour que je reprenne les programmes, prendre mes salles comme je faisais avant, avoir une église. Donc je suis en train de prier maintenant pour demander au Seigneur, l'église là, tu veux que je l'ouvre où? À Paris? À Bordeaux? Quelle est la ville? Je demande des signes à Dieu. Je suis en train de prier parce que dans ces temps-ci, je vais reprendre mes activités à Paris. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, Bishop, tu es où? Je veux te voir. Je dis, non, pour le moment, attends. Bishop, vraiment, je suis en Allemagne. Je voulais venir te voir avec ma famille. J'ai dit, non. Mais je reprends. Je reprends comment? Par la foi. Voilà mes mains. Je n'ai personne. Donc, depuis que je sais Dieu, je n'ai personne. Je n'ai que le Seigneur Jésus. Je suis venu m'asseoir pour vous dire, je ne peux pas tout vous expliquer, mais votre frère qui est là a souffert jusqu'à ce que Dieu l'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. D'autres se sont moqués de moi. Il y a d'autres même qui sont là et disent, oh, tu as raté ta vie, tu as raté ton ministère, tu as raté ceci. Mais le prophète Élie, ce n'était pas facile pour lui. L'apôtre Paul, ce n'était pas facile pour lui. L'apôtre Pierre, ce n'était pas facile. Quand on a l'onction, ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu, grâce à Dieu, on va jusqu'au bout. Je vais reprendre l'œuvre. J'ai besoin des enfants spirituels. J'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin de musiciens. J'ai besoin de chanteurs. J'ai besoin d'un groupe d'intercession. J'ai besoin des gens qui croient à mon onction, qui veulent faire partie de cette vision que Dieu m'a. Mon ministère est déjà reconnu en France, hein, depuis des années. J'ai l'arrêté. J'ai mon ministère déjà reconnu en France. Mon ministère est reconnu dans d'autres pays. J'ai l'arrêté dans d'autres pays. Mon ministère est connu. J'ai tout ce qu'il faut. Mon ministère est connu. Ce n'est pas un truc clandestin. Je suis dans le journal officiel ici en France. Je peux inviter qui je veux, quel homme de Dieu. Je peux inviter n'importe quel groupe musical. J'ai tout. Tout est reconnu. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai les papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Tout est en place. Mais je fais ce direct pour dire aux gens, voilà votre frère, depuis que je suis revenu de la Martinique, où j'ai tout perdu. C'est depuis la Martinique que j'ai commencé à parler, ouvrir ma bouche pour le bien de mon pays. Mais, j'ai ouvert ma bouche jusqu'à ce que je suis arrivé dans le problème du président Gbagbo, de ceci, cela. Bon, il est libéré, tout le monde est libre. Soro Diop me va rentrer en Côte d'Ivoire bientôt. Je n'ai plus rien à voir avec les discussions politiques de mon pays. Je prie que celui que Dieu a choisi soit à la tête, que les Ivoiriens mangent en paix, ils dorment en paix. Moi, je vais prier, continuer mon ministère. Je ne suis plus dans des débats inutiles. Donc, le Seigneur me dit de reprendre l'œuvre. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin aussi de ceux qui sentent que la vision que Dieu m'a donnée est une vision qu'ils ressentent en eux.
pour me soutenir. Aucune personne ne peut être grande dans ce monde s'il n'y a pas des gens derrière lui. Jésus-Christ lui-même avait besoin des gens derrière lui. Aucun président de la République, aucun roi, aucune personne, si tu n'as personne avec toi, tu n'es rien. C'est l'homme qui fait l'homme. Ou de cela, quelqu'un peut être fort dans le Dieu visuel. Il va dire au bishop, voilà, moi, ce domaine-là, je suis avec toi. Quelqu'un peut être fort dans, comment on appelle, sur le plan informatique, comment gérer les trucs. Donc, bishop, ce côté-là, je suis avec toi. Quelqu'un peut être intercesseur, dit bishop, 24 heures sur 24, sache que tu as quelqu'un qui pense à toi, qui prie. On va former une équipe de prière. Et puis, il peut avoir maintenant ceux qui ne peuvent pas faire toutes ces choses ou qui peuvent faire, mais financièrement, on a besoin de vous. Je veux prendre une salle. Je ne veux pas louer les salles d'hôtel comme je faisais avant. Je veux une adresse. Je veux prendre une salle où il y a mon bureau. Je peux recevoir où il y a le lieu de culte. Je reprends les choses. Je me reprends les choses. Je suis décidé, c'est fini. Je reprends les choses. Je veux prendre une salle où on peut louer Dieu, adorer Dieu. Tu veux me voir, tu viens, tu vas me voir. Je veux prendre ça. Je veux une équipe. Mais si personne ne soutient, personne n'aide, tout le monde profite juste de ton ministère, mais que personne ne peut t'aider, c'est pas bon. Dans la Bible, dans Ecclésiastes chapitre 3, il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, tu vas continuer. Voilà, il y a un temps pour tout. Et le temps que je reprends le ministère, si tu veux voir le bishop, tu veux savoir quelle onction Dieu lui a donnée. Tu veux écouter des prédications qui vont te guérir. Tu veux voir le malade se lever puis danser. Tu veux voir des guérisons extraordinaires. Tu veux voir des miracles. Si tu veux prendre ton malade chez toi, venir à l'église puis retourne en bonne santé. Tu veux voir des exaucements. Tu veux voir les liens brisés, des délivrances en direct. Tu veux voir l'onction de Dieu se manifester, la puissance de Dieu se manifester. Si tu veux voir le bishop en onction, en action, ce n'est pas en live, en direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le bishop veut être maintenant sur le terrain. Le bishop veut affronter Satan par les cornes. Le bishop veut prêcher l'évangile et voir les âmes guéries. Le bishop veut voir le réveil spirituel consacré des serviteurs, des servants de Dieu pour les éparpiller dans le monde, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais si je ne viens pas m'asseoir pour vous faire cette annonce, qui va la faire pour moi? Moi, je n'ai personne. Hein? Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus-Christ de Nazareth. Je vais compter sur qui? Pour venir s'asseoir. Pour vous faire ça, je ne me suis pas humilié, je ne me suis pas abaissé. J'ai ouvert mon cœur pour vous dire, voilà votre frère. De la manière que je peux pleurer pour quelqu'un qui a des difficultés, de la manière que quelqu'un en prison ou quelqu'un quoi, je pleure, de la manière que je peux vous dire, faisons une cagnotte pour soutenir un tel pour faire ceci, envoyez l'argent à un tel pour l'aider. Aujourd'hui, je suis assis et puis je vous dis, j'ai besoin de vous. D'ici 3 mois, il faut que je prenne une salle. D'ici 3 mois, il faut que je paye la caution d'une salle. Il faut que je commence le ministère, que chaque mois vous entendez qu'il y a un programme là-bas et les dimanches des cultes. D'ici 3 mois,
si avec les milliers de personnes qui me suivent, avec les milliers de personnes qui me suivent, même si chacun se levait pour donner 10 euros, pour donner 20 euros, 5 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, vous croyez que je ne vais pas me relever? Il est écrit quoi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 35, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ça veut dire que ce passage-là montre clairement que quand tu soutiens un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, dans l'œuvre, il y a des gens qui ont hébergé des pasteurs quand ils commençaient l'œuvre. Il y a des gens qui l'ont soutenu. Ils étaient cachés derrière, ils le soutenaient jusqu'à ce que son église grandisse. Il y a un début à toute chose. Aujourd'hui, je reprends tout à zéro. Aujourd'hui, je recommence. Le peu d'économie, des choses que j'avais, j'ai déjà pris pour aider. J'ai même déjà mis la main sur l'hectare pour le camp de prière. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ne dis pas en public. J'aide beaucoup de personnes, mais je ne dis pas en public. Je sais que si tu ne m'aides pas, le Seigneur touchera quelqu'un qui va m'aider, même si c'est un païen. Il a déjà fait pour moi. Et je sais aussi que si tu le fais, Dieu te bénira, toi et ta maison. Le Seigneur changera ta destinée. Je lance aussi un appel à tous ceux qui ont été mes enfants spirituels ou qui se sont approchés de moi, dont je n'ai plus de nouvelles. Certains peut-être avaient été dessus, je ne sais pas, ou certains se sont éloignés parce qu'il y avait d'autres choses, ou certains n'ont plus le temps. Je lance un appel pour dire, les portes de votre Père spirituel est ouvertes. Les portes de votre Père spirituel est ouvertes. L'œuvre va reprendre et l'œuvre va grandir. Les épreuves là, on a fini. La tempête est restée de l'autre côté. Maintenant, nous sommes en train de monter sur le cheval de la victoire. C'est maintenant qu'on va manifester la puissance de Dieu. Tous ceux qui veulent soutenir, j'ai déjà mis les numéros sur l'énoncé du direct. Vous pouvez contacter ma secrétaire. Vous lui expliquez que vous voulez soutenir, la manière dont vous voulez donner. Elle va vous le dire, vous lui dites, elle va vous expliquer comment vous pouvez le faire. Vous pouvez m'écrire directement. On peut soutenir par PayPal. On peut soutenir par virement. On peut aussi soutenir par RIA. On peut soutenir par MoneyGram, par Western Union. On peut aussi soutenir par Orange Money. On peut soutenir par Wave. On peut soutenir par T-Money pour ceux qui sont dans d'autres pays. On peut soutenir par n'importe quelle manière. Il y a toutes les possibilités. Ceux qui veulent que le bishop se lève, qu'ils entendent que, oh,
Il y a un fou qui est guéri aujourd'hui. Le monsieur là, Dieu l'a utilisé. Il y a un mort qui est ressuscité. Ah, le monsieur là, on croyait que vraiment c'était un plaisantin. Il était là, il prêchait sur les réseaux sociaux seulement. Mais regardez ce que Dieu est en train de faire. Ce sont les hommes qui m'ont détruit. Satan est passé par des hommes pour m'arrêter. Satan est passé par des hommes pour me freiner. Et ce sont des hommes qui doivent me relever. Satan doit passer par des hommes pour me relever. Et le Seigneur doit passer par des hommes du moins pour me relever. Le Seigneur doit passer par des hommes pour me restabiliser. Tu peux aider. Peut-être même qu'au moment où je parle là, tu as une maison, tu es en France. Tu as une maison. Tu as une maison. Tu as un sous-sol, tu as une salle. Tu peux permettre qu'il y ait des prières. On va recommencer là-bas. Peut-être que toi, tu peux déjà même dire, je loue telle salle, je m'occupe de ceci. Voilà, on fait un programme, tu peux le faire. Ou peut-être que tu peux créer un comité, quelques personnes, là où tu es, pour qu'on prépare des programmes pour le faire. Mais tout ça, c'est bien, mais on a besoin de soutien pour relever l'œuvre. Mettons les choses passées derrière nous. Même si j'étais choqué un jour, même si tu n'étais pas content de moi, même si ceci, cela, on ne parle plus de ça. On parle maintenant de comment on va vaincre les démons, comment on va vaincre Satan et comment on va faire avancer l'œuvre pour créer le réveil spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. C'était donc ce que je voulais vous dire. Je vous regarde. Moi, je suis là. Dieu m'a appris à ne pas courir après les gens. J'ai le contact de beaucoup de personnes. Je pouvais appeler des gens pour dire, oh ma fille, oh mon fils, oh s'il te plaît. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. J'ai fini de parler. Que chacun fasse parler son cœur. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Afrique. Quel que soit le lieu où tu es. Si tu veux soutenir l'œuvre, tu m'écoutes tout le temps. Tu m'écoutes, tu reçois, tu es édifié. Si tu veux maintenant participer, être partenaire de cette œuvre, me voir en train de faire l'œuvre et puis dire oui, c'est par les miettes, par les prières, par mon soutien. Ce monsieur-là, aujourd'hui, est en train de faire ceci. C'est facile de rester chez vous et puis critiquer les gens. Mais lui-là, mais il n'a rien à faire. Oh, lui-là même, il ne peut pas aller faire ceci. Mais pourquoi il fait ça? Oh, lui-là, c'est facile. Mais vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne connaissez pas l'épreuve des gens. Vous ne connaissez pas la douleur des gens. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vous dire, il ouvre son cœur pour vous dire, voilà, aidez-le. Aidez les gens vivants. Ce n'est pas quand ils sont morts que vous venez dire, oh, si, ceci, cela. Non, pendant qu'il est vivant, là, c'est là qu'il a besoin. Moi, le jour de ma mort, vous pouvez m'oublier. Mais pendant que je suis vivant, aidez-moi à faire la volonté du Seigneur. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu veux que je sois meilleur. Tu veux me voir à l'œuvre. Tu veux plus que ma bouche soit dans des choses inutiles. Tu veux pas m'entendre ceci. Tu veux pas me voir dans des classes. Tu veux pas me voir ceci. Je suis venu te dire que le moment est arrivé. Jésus doit être glorifié à travers l'homme que je suis. J'ai besoin de toi. Tends ta main. J'ai besoin de toi. Je me suis humilié. Ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir comme ça et le faire. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas cherché à mystifier qui que ce soit. J'ai ouvert mon cœur et j'ai dit ce qu'il y a à dire. Celui qui veut se moquer, il n'a qu'à se moquer. Celui qui veut rire, il n'a qu'à rire. Celui qui veut ignorer, il n'a qu'à ignorer. Mais celui qui est touché, qui veut faire quelque chose, qu'il le fasse. Je suis là, je vous écoute, je continuerai à prier pour vous, je continuerai à faire ce que j'ai à faire, mais je vous attends. Parce qu'un jour, vous ne pourrez pas dire, on n'était pas au courant. Un jour, vous ne pourrez pas dire, oh, si on savait. Parce que je vous l'ai déjà dit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.